proposé un programme permettant de distinguer quatre métaux en réalisant des observations ou des expériences successives, dont le fer, le cuivre, l'aluminium et le zinc. Pour cela, nous aurons besoin d'une balance et d'un aimant. Pour reconnaître le fer, il suffit de l'approcher de l'aimant, car c'est le seul des quatre métaux à y réagir. Partez. Pour reconnaître le cuivre, il suffit de peser les quatre métaux, car le tableau prouve que c'est le seul à être le plus lourd. Cinquante-cinq grammes, cinquante grammes, dix-neuf grammes, soixante-deux grammes. On peut distinguer l'aluminium grâce à sa légèreté et au fait qu'il ne s'altère pas à l'air. Nous savons maintenant que le fer a des propriétés magnétiques, que l'aluminium est le plus léger des métaux, que le cuivre est le plus lourd, et le zinc est le dernier.